Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander de réussir un tir dans la tête avec un fusil de tireur d'élite. Alors le fusil de tireur d'élite, c'est celui-ci, c'est un nouveau fusil qui vient d'arriver sur Fortnite saison 3. Donc il vous faudra ce fusil, vous pouvez le trouver dans des coffres, posé au sol comme ça par terre sur Fortnite. Et ensuite là, je vais vous expliquer une astuce qui va vous permettre de réaliser le défi super facilement. Donc en fait, pour réaliser le défi, vous allez devoir faire un tire-tête à un adversaire. Mais les adversaires, ils sont compliqués à toucher. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de trouver un loup, comme ceci. Et ensuite, vous lui tirez dessus dans la tête. Donc, hop, voilà, comme ceci. Et là, ça validera le défi. Voire même, vous montez sur son dos. Ensuite, vous visez sa tête. Parce que quand vous montez sur son dos, ben, il bouge pas. Donc vous visez sa tête et vous tirez. Regardez, je vais tirer. Vous allez voir que... mes tirs-têtes vont augmenter en haut à gauche. Vous allez voir, regardez. Réussir des tirs dans la tête, 20 sur... Enfin, j'ai réussi la cinquième étape. Donc, vous voyez bien que ça fonctionne. Donc, ça fonctionne avec les loups. Après, vous pouvez le faire sur un adversaire. Pour terminer le défi, vous avez juste à faire un tir-tête avec cette arme, avec le fusil de sniper, de tireur d'élite, pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace.